Bonjour, moi je m'appelle Albert, lui il s'appelle Laurent. Je voulais savoir pourquoi les requins du Groenland vivent dans le fond. Albert et Laurent veulent savoir pourquoi le requin du Groenland vit au fond de l'eau. Alors, le requin du Groenland est un requin qu'on appelle bathybantique. Bantique qui veut dire qu'il vit sur le fond et puis bathy, ben, c'est à grande profondeur. Donc, c'est un requin qui évolue principalement en eau très profonde et puis il vit sur le fond parce que l'évolution a fait en sorte qu'il se nourrit d'animaux, de poissons, entre autres. Qui sont aussi des poissons benthiques, donc des poissons qui vivent sur le fond, comme le turbo ou le flétan, les plis, et puis toutes sortes d'invertébrés aussi qui vivent au fond de la mer. Donc le requin n'a pas besoin de nager dans la colonne d'eau jusqu'à la surface de façon verticale pour trouver de quoi manger. Il se nourrit sur le fond, et c'est pour ça que le requin du Groenland est devenu un requin benthique. Aussi, on voit de par sa diète, ce que le requin mange, que la forme de la tête est légèrement différente de d'autres espèces de requins qui évoluent en eau libre. Donc, il y a des requins qui vont pouvoir s'alimenter de choses qui se trouvent devant eux en ouvrant la gueule. Et puis il y a d'autres requins, comme le requin du Groenland, qui a la gueule plus en dessous de la tête et puis qui ne va pas faire ressortir sa mâchoire pour manger, mais va plutôt ouvrir la gueule pour aspirer ce qu'il trouve sur le fond. Donc, lorsque la bouche est positionnée comme ça, sous la tête, c'est souvent parce que c'est un requin qui va principalement se nourrir et puis vivre sur le fond de l'eau.